Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La Vie en Vosges. Nous allons cette semaine nous intéresser à la culture, à l'art plus précisément. Pour cela, trois invités sont avec nous. Julien Cuny est artiste, mais aussi directeur artistique de la Cour des Arts à Saint-Dié-des-Vosges. Une galerie d'art qui se veut singulière et qui se veut être un véritable lieu de rencontre et de partage. À ses côtés, Lydia Génin est la coordinatrice de La Lune en Parachute, une association qui veut promouvoir et diffuser la création contemporaine. Trésorier de cette structure, Pierre Clavel est aussi et surtout le président de l'association Le Mur à Épinal, qui a pour objectif de faire connaître l'art urbain, le street art. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors on va commencer, question très simple, hein, vous êtes trois structures différentes, la vocation reste la même, promouvoir l'art j'imagine, on est bien d'accord. Estimez-vous qu'on soit bien lotis dans les Vosges en matière d'art, de lieux artistiques? Julien, votre avis sur la question? En matière de diffusion, bah non, je crois pas. J'ai même l'impression que c'est le désert, le désert culturel, hein, presque. Parce que, ou en tout cas, ce qui est donné. Nous, quand vous avez dit que la Cour des Arts était une galerie singulière, c'est vraiment ce qu'on veut défendre pour que, dans les citoyens, les gens qui passent et qui voient, qui puissent avoir un imaginaire qui se développe. Parce que ce qui est donné à voir, en tout cas, par. La masse des médias ou ce qui est la plupart des choses qui sont diffusées, moi j'ai l'impression que c'est toujours la même chose, ou qu'en tout cas il y a une espèce d'uniformisation des pensées et des imaginaires, comme on a l'extinction de masse des espèces et de la diversité, j'ai l'impression qu'il y a un peu la même chose. Alors les lieux en plus, les lieux sont peu nombreux et souvent ceux qui sont là, ou en tout cas les gros lieux qui font référence, passent souvent la même chose, il n'y a pas trop de singularité dans tout ça. Pierre, un avis sur la question ? C'est clair que, en tout cas sur le territoire vosgien, sud le Rhin, il y a énormément de choses à faire. Ça porte beaucoup sur l'implication des associations, ça c'est à peu près certain. Donc voilà, il y a un domaine énorme dans lequel nous, on veut s'investir et on s'investit depuis quelques années. Voilà, donc je pense que c'est accessible à tout le monde de pouvoir s'impliquer dans ce genre de projet. Alors Lydia, vous êtes plus récente hein, dans le département, donc c'est encore difficile de se faire un avis, j'imagine. Oui. Vous venez d'une région, d'un département où, comme ça, de prime abord, c'était plus développé, la culture. Non. Je viens de Haute-Saône, donc c'est sensiblement la même chose. Alors certes, hein, on manque souvent cruellement de structures, mais d'un autre côté, ça donne aussi une liberté. On a un panel de possibilités qui s'ouvre, alors que quand on est dans les grandes métropoles, souvent, la profusion des offres peut aussi freiner la création. Donc finalement... Il faut trouver un juste milieu. Après, il faut toujours réussir à développer. Julien, la Cour des Arts à Saint-Dié, donc 2019, hein, oui. On disait en préparant cette émission. La Lune en Parachute et le Mur, c'est un petit peu... Alors, beaucoup plus tôt pour La Lune en Parachute, un petit peu plus tôt pour Le Mur, on en parlera juste après. Vous êtes artiste, vous aussi. Est-ce que ce lieu, c'était finalement une évidence? Et peut-être ce que vous n'aviez pas trouvé, en tout cas, ce qui vous convenait, ce que vous avez voulu créer en tant qu'artiste? Oui, ça rejoint un peu ce que je disais, c'est qu'on a une exigence et on a envie de promouvoir les choses qu'on ne voit pas ailleurs. Donc déjà, moi, ma production, elle n'est pas consensuelle, elle n'est pas... ça ne plaît pas à tout le monde. Donc déjà, c'était un point de départ. Et effectivement, les sélections d'artistes qu'on fait dans la Cour des Arts, elles vont dans ce sens. L'idée, c'est finalement une autre porte d'entrée aussi, parce que, donc je le disais, c'est singulier, il n'y a pas que de l'art. Vous amenez différentes choses, on a un véritable lieu de vie, de partage. C'est ça aussi l'idée de la Cour des Arts. Oui, parce que c'est compliqué d'amener juste l'art comme ça auprès des gens qui ont perdu l'habitude finalement d'être nourris de choses diverses comme ça, parce que... Je pensais même, quand on va sur les réseaux sociaux et que le filtre principal, c'est classer par choses les plus populaires, on se retrouve finalement à faire les choses qui remontent à la surface, c'est toujours les mêmes. Alors, effectivement, nous, ce qu'on a voulu en plus donner, c'est une convivialité dans ce lieu. Et en ce moment, ça se transforme un petit peu, ça devient une galerie d'art dans laquelle on peut manger et où on peut écouter des choses et voir du happening... artistique, il y a eu des matchs de boxe peinture, il y a eu des projections d'images sur des danseuses, il y a quelques concerts. Un côté décalé qui est finalement intéressant, qui attire peut-être un nouveau public aussi dans ces lieux où qu'on pense peut-être des fois un petit peu qui nous est pas réservé ou qui des personnes qui ne seraient pas forcément à l'aise
d'un premier temps qui viendrait pour d'autres choses finalement. Oui, alors concert, c'est ça, c'est de pouvoir ramasser un peu plus ça, large. Déjà, quand on dit on peut avoir des frites et de la bière, c'est ça, c'est du coup. Ah, ben que l'abus d'alcool est dangereux. Ça peut. non, mais ça peut donner envie de venir, ne serait-ce qu'un petit peu pour ça. Et puis ça permet de. Pas d'éduquer, j'aime pas ce mot, mais de pouvoir sensibiliser les gens qui seraient pas venus, comme vous disiez, qui viennent pour un autre prétexte, bah, de leur permettre de voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Pierre, vous avez cette double casquette, je le disais tout à l'heure, de président du MUR, mais aussi de trésorier de la Lune en parachute. Alors Lydia est récente dans la structure, donc vous allez peut-être nous parler de cette création de la Lune en parachute. Quelle était la vocation première de cette structure? Moi non plus, j'étais pas là, je suis arrivé beaucoup plus récemment, mais ça remonte à 30 ans maintenant. Donc c'est clair que la vision d'origine, donc c'était 7 passionnés de mémoire qui voulaient se lancer dans la promotion de l'art contemporain. Donc il y avait vraiment un vivier sur Épinal qui fait que tout ça a émergé, une sensibilité politique aussi qui fait que ben voilà, ça a pu être financé et puis le projet a abouti. Donc depuis 30 ans, c'est une bande de bénévoles qui s'est renouvelée et qui a porté cette association à bout de bras. Voilà, donc c'est une longue aventure. C'est sûr que je ne saurais pas résumer. On ne pourrait pas tout résumer, ouais. Bien sûr. Il y a eu l'installation à la plomberie parce qu'elle n'a pas tout de suite pris ses quartiers, j'ai envie de dire. Oui, depuis 10 ans. Avant, c'est une association un peu sans domicile fixe. Hein, donc, il y avait pas mal tourné dans Épinal. Et depuis 10 ans, lorsque le bâtiment de la plomberie a été réhabilité par la mairie, par la collectivité, donc ça a permis à la Lune en parachute de s'ancrer sur un lieu qui est emblématique maintenant de l'association. Ah bah c'est sûr. Lydia, aujourd'hui, quelles sont les ambitions, les objectifs de la Lune? Continuer d'offrir des propositions diverses au public et également d'agrandir, de toucher de plus en plus de public par cette diversité et par les offres. Il y a vraiment un développement des actions de médiation qui ont été faites envers les publics scolaire, mais également tout le public spinalien et de la région proche. Bien sûr. Et les scolaires, c'est peut-être là aussi qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les pauvres, on leur met beaucoup de choses sur le dos. On leur parle, c'est eux qu'il faut sensibiliser sur tous les domaines. Mais c'est là aussi, finalement, pour attirer les familles, peut-être aussi. C'est peut-être alors, pour attirer les familles, et puis on leur donne la possibilité de découvrir l'art contemporain, dans notre cas. Et de prendre l'habitude de découvrir des choses très différentes qui parfois pourraient être un peu difficiles d'accès. Et nous, notre but est de rendre accessible l'art contemporain à tous. Je crois que ça marche pour l'instant. Ça marche assez bien, j'ai l'impression. Alors Pierre, on a évoqué le mur, mais on n'en a pas encore parlé. On va quand même en parler de ce mur. C'est une manière de promouvoir l'art qui est assez différente, assez décalée aussi. Mais c'est quelque chose qui se développe énormément. Enfin, c'est plutôt bien développé en France, les murs. Hein. En effet, c'est, je ne sais plus trop, il doit y avoir une vingtaine, trentaine d'associations en France. Il y en a en Belgique, il y en a un petit peu de partout. Donc nous, on a créé cette association-là en 2015, notre premier mur en 2016. Donc on s'est calé sur la façon dont les autres associations tournaient. Voilà. On était très proche de l'association qui est à Nancy, le mur de Nancy, puis celui de Paris, voilà, qui nous ont mis le pied à l'étrier. L'objectif, c'est donc qu'on se focalise, nous, sur l'art urbain et d'amener cette expression artistique sur le domaine public. Donc là, on touche tout le monde. Et c'est très complémentaire à la Lune parce que ça pousse les gens. Voilà, on voit que les gens ont un intérêt, ont un avis sur les différents murs. Et on cherche à les pousser, à aller pousser la porte et aller voir la Lune en parachute, quoi, qui est juste devant. Et sur un mur, on s'exprime différemment aussi. C'est une autre tout manière fait, de ouais. voir les choses. Alors, on voit quelques images qui passent à nos côtés. Un mur là où on était plus sur l'expression, c'était avec un artiste qui a fait les deux côtés d'ailleurs. Exactement, ouais. on a une petite unicité, c'est que notre mur est à deux faces. Donc, quand les conditions s'y prêtent, l'artiste a la capacité de s'exprimer sur la face B. Voilà. Donc, c'était le cas de Nacle qu'on voit sur les images, notamment en train de travailler avec les enfants de l'école Ravel. Voilà. Là où c'est intéressant. Julien, en tant qu'artiste, s'exprimer sur un mur, c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Alors, vous avez accompagné des scolaires, notamment sur des fresques, des choses comme ça. Oui. Vous-même, les murs
Oui, on vient d'en faire à Nancy, là, dans le Square Chopin, là, avec toute la bande de copains, le mouvement inabstrait qu'on est en train de mettre en place. Mais nous, en revanche, c'est au pinceau. Hein. On revendique le pinceau, ce qui est une autre technique. Parce que justement, le street art, souvent, dans l'esprit des gens, c'est la bombe, ça paraît très limité, alors qu'en fait, c'est juste mettre de l'art dans la rue. Ça fait des lustres que ça existe depuis les grottes. C'était déjà dehors, hein, donc c'est pareil. C'est une dimension différente. Il faut appréhender, on appréhende différemment l'œuvre. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a une lisibilité qu'il faut quand même chercher pour que ça se voit de loin, pousser le contraste. Des petits détails techniques. Mais en revanche, non. Nous, on a justement même envie que ça ressemble plutôt à un tableau avec des flous, des choses qui seraient suggérées, que encore une fois, tout livré au regard. Que les gens travaillent encore du ciboulot en regardant les choses. Et parler du pinceau, on a vu toutes les techniques sur le mur. Enfin, oui, tout à fait. Ouais. C'est ça. Hein, oui, ça va de l'installation. Cette année, on a fait même une accumulation, donc, qui a beaucoup surpris les visiteurs et les journalistes aussi. Voilà. Donc, on n'a pas peur d'innover. Je pense que c'est important de pousser les artistes à s'exprimer différemment. On a eu des installations avec Eva Zézy, on a eu des murs 3D avec des lunettes vertes et bleues il y a 3-4 ans, avec des succès plus ou moins mitigés, mais bon, on essaye, quoi. C'est ça, il faut tester pour voir. Ouais, on a fait des murs rétro-éclairés, donc le mur pérenne qui est à l'entrée du cinéma Palace. On a parfois des artistes avec qui on sent qu'on peut innover, qu'on peut aller plus loin, les amener sur un autre territoire. Et puis, on a aussi des artistes qui peignent au pinceau. Voilà. C'est ça. Le prochain, d'ailleurs, Scaro, ce sera un peintre sans pinceau. Ouais. On parlera juste après de l'artiste. On va continuer à parler de vos sites respectifs dans un instant. Mais juste avant, je vous propose qu'on fasse une petite pause. On va regarder quelques images. Justement, c'était à la Cour des Arts après le Covid en juillet 2020. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogowitz et Hélène Leplat. Côté jardin, la Cour des Arts à Saint-Dié-des-Vosges retrouve en douceur son public en petit comité, certes, mais la semaine dernière, ils sont venus impatients s'abreuver de culture pour une rencontre musicale avec le groupe Ferguson. C'est un endroit agréable, la Cour des Arts, et puis on suit pas mal les Ferguson aussi, donc c'était une bonne occasion. Ce soir, on est full, on est 20 personnes. Et ils vont pouvoir voir un peu, David va montrer comment il travaille ses boucles, Michaela l'écriture, les arpèges, enfin voilà, ils vont être en plein dans le mystère. Ferguson, un duo guitare et voix connu sur scène pour son univers pop-rock énergique à l'image de son troisième album « C'est l'été », a profité du confinement pour se ressourcer dans sa Déodacie d'adoption. Mais le partage est essentiel pour les artistes et cette résidence de quelques jours à la Cour des Arts était bienvenue. C'était aussi un super prétexte, enfin un prétexte et un lieu. On comprend bien l'idée là de ce que vous voulez faire de ce lieu, en tout cas dans ce reportage, d'avoir finalement pas que l'art, comme on pourrait entendre, les tableaux, l'exposition. Voilà, c'est vraiment un lieu assez, on le disait tout à l'heure, hein, c'est d'amener un petit peu tout autour de l'art. Oui, c'est ça. Bon, là, il y a au moins 10 fois plus de tableaux que dans le reportage. Oui, on était revenu dans une période un petit peu Oui, c'est vrai, c'est complexe. Vrai. Ouais, je sais pas trop quoi ajouter, mais en tout cas, je pense que là, on est un peu en train de revoir les choses quand même. Alors, la musique, ça, les gens sont toujours là au rendez-vous. Justement, on aimerait vraiment remettre l'accent sur l'art plastique, sur les beaux-arts, la sculpture et la peinture. Vraiment particulier. Le happening en lien, parce que mettre du dessin en direct, montrer comment l'artiste arrive à peindre, que ça devienne du spectacle vivant, en fait. C'est là-dessus qu'on a envie de mettre l'accent. Actuellement, une exposition autour de l'inabstrait, c'est ça ? C'est ça, en réponse au thème du désert du Festival de géographie qui vient de finir. Et on enchaîne avec une exposition d'un ancien qui travaille sur ses souvenirs d'enfance en Italie. Et là, il va y avoir un happening assez incroyable et je ne dis pas plus. Oh bah je n'essaye pas. Du côté de la Lune, Lydia, alors il y a la programmation à la plomberie, mais il y a aussi celle de l'Arbus,
On va peut-être parler de l'arbuste pour commencer, si vous voulez bien. C'est une manière, là encore, de délocaliser l'art et de l'amener peut-être vers des publics qui, là aussi, ne viendraient pas forcément à la plomberie. On va dans des collèges, notamment, c'est ça? C'est ça, exclusivement dans des collèges, donc une quinzaine de collèges sur tout le département. Et en fait, l'opération Arbus, elle est très belle parce que c'est une exposition itinérante. Le bus qu'on peut voir est mis à disposition par l'un de nos mécènes, l'entreprise Transdev. On peut dire. Et donc, chaque année, un artiste est invité à investir l'espace intérieur du bus. Cette année, c'est la jeune artiste Juliette Focchi qui a été sélectionnée. Et donc, elle va proposer un projet qui s'appelle « Sans forester » et qui va traiter de l'actualité de la forêt vosgienne. Donc, ça colle vraiment avec le parcours que fait le bus, parce qu'il va chercher le public le plus loin possible sur tout le territoire, et il donne accès à l'art contemporain à des jeunes qui n'ont pas forcément de structure à côté d'eux. C'est magie. Et c'est pas facile d'investir un lieu comme un bus. On le voit, nous, quand on va faire nos images, comme journalistes. C'est pas facile. C'est pas facile d'investir un lieu comme cela, mais c'est finalement plus simple pour pouvoir... C'est plus simple pour l'itinérance, mais c'est vrai que c'est compliqué pour l'artiste d'envisager un projet parce qu'on a beaucoup de restrictions techniques. On a aussi les différences de température sur toute l'année scolaire, etc., qui peuvent engendrer des problèmes d'humidité, etc. Mais jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui roule. Et, c'est le cas, je vais dire. Voilà, et qui a vu naître de beaux projets. Et l'artiste qu'on a sélectionné cette année avait vu arriver le bus dans son collège. Donc, on sent qu'il y a le message est passé. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, actuellement, dans les locaux de la plomberie, il y a une exposition de Romain Froquet autour des lignes. Et vont se greffer autour de cette expo plusieurs événements. Là aussi, on rejoint un peu l'idée qu'il a à la Cour des Arts de rassembler autour d'événements, de moments assez conviviaux, j'ai envie de dire. C'est ça. On a envie d'amener le public à visiter l'exposition comme d'habitude, mais à chaque fois à rajouter l'opportunité d'un échange avec l'artiste. C'est ce qui va être le cas. Romain Froquet va revenir plusieurs fois sur le temps d'exposition et d'avoir un œil attiré par d'autres prestations. Par exemple, on va avoir une prestation dansée le 10 décembre. C'est l'artiste Julia Blumberg. Voilà, Julia Blumberg qui va venir faire une performance dansée en résonance avec les œuvres de Romain. On va avoir aussi la production d'une œuvre lithographique avec un imprimeur de la région, une conférence d'un historien de l'art, Cyril Gouillette. Enfin voilà, c'est pour amener... On couple les disciplines finalement. Tout à fait. Et toujours par rapport aux propos de l'artiste. C'est une exposition, vous voyez quelques images, qui est assez impressionnante et qui prend la place. On voit ces grandes voiles de l'expo. Là, on est sur une autre expo qui était plus ancienne, mais on voit dans Romain Froquet, voilà, c'était vraiment assez impressionnant. On revoit l'étoile là. C'est comment vous faites ce choix? Comment se fait la programmation, le choix de la programmation? Alors, le choix de la programmation, c'est le bureau, donc le groupe de bénévoles investis de l'association qui va à la rencontre des artistes, qui fait une sélection, qui les invite. Et puis après, ça, j'ai envie de dire, c'est aussi la magie du lieu qui opère parce qu'on a un bâtiment qui est vraiment propice à beaucoup de propositions. Et là, en général, la créativité des artistes bouillonne quand ils voient toutes les possibilités qu'ils ont. Et c'est ce qui s'est passé avec ces œuvres un peu monumentales de Romain. Et donc ça, c'est une expo qui est à découvrir jusque quand, celle de Romain Froquet? Elle se termine le 16 décembre. 16 décembre, voilà. Donc encore un petit toute peu la temps, fin, mais... voilà, la fin de saison culturelle. Et puis, il y a toute la programmation dont on a parlé. Il va y avoir des médiations avec des visites guidées, etc. Un beau programme en perspective. Pierre, le dernier mur est signé Cat et Action, si je ne me trompe pas. Un mur qu'on a pu découvrir notamment à l'occasion de la 8e Biennale d'art contemporain. Ça s'est fini en même temps. Cette Biennale, c'est aussi l'occasion de montrer qu'on peut faire des choses, qu'on peut amener du public.
Ça se passe comment? C'est un partenariat? Vous travaillez ensemble? C'est le hasard? C'est l'association Alors, Le 46 hein. Oui, c'est l'association Le 46 qui est leader sur ce projet. Nous, Le Mieux, on était venus aussi en partenaire. Là. Donc, c'est dans le cadre là qu'on avait programmé donc, les artistes KT Action sur la face A du mur. Donc, bah, voilà, ça se fait en complète intelligence. Quoi. Puis, bah, l'ensemble du lieu de la plomberie est totalement laissé... à la dispo de l'organisation du 46 et des artistes. C'est ça, tout est mis à dispo. Ouais. C'est là où voilà, on voit qu'il faut plutôt être ensemble pour pouvoir proposer un événement d'envergure. On va tous dans le même, enfin, tout le monde va dans le même sens, hein, promouvoir ouais. l'art et puis ouais. attirer du monde. Hein. Puis on a vu qu'il y avait quand même du monde sur cette biennale, en tout cas, qui a parcouru. Ah oui, tous les deux ans, c'est généralement un très beau succès. Quoi. C'est ça qui est bien. On va parler du prochain mur, peut-être, Pierre? Oui, tout à fait. Donc, prochain mur, vernissage le 28 octobre. Scaro, donc, il viendra, c'est un artiste qui vient du Havre et qui va travailler toute la semaine. Donc, il va arriver le 24, du 24 au 28. Donc, j'invite tous les gens qui passent dans le coin, qui passent le mercredi à la BMI, venir s'arrêter, venir discuter. Pas trop quand même, il faut le faire. Il faut quand même qu'ils bossent. Il faut qu'ils travaillent. Alors on voit un univers, on voit des photos qui défilent, c'est des murs qui ont été faits par Scaro justement. Des univers assez différents. Est-ce qu'on sait à l'avance ce qu'il va proposer? Est-ce qu'on a une idée? Non, je l'ai eu hier au téléphone, il va commencer à travailler dessus. Donc on lui demandait quelques informations, savoir quelle couleur de fond il veut sur le mur. Enfin voilà, il ne le sait pas encore, mais ça ne saurait tarder. Oui, c'est souvent des fresques avec son frère. Il travaille sur des fresques vraiment monumentales en Europe, mais aussi aux États-Unis. Il a pas mal travaillé à San Francisco, à Los Angeles, à Las Vegas. Donc, qu'est-ce qui vous a séduit? Qu'est-ce qui vous a fait que vous l'avez choisi? En fait, il a une expression artistique qui s'inspire beaucoup de techniques du classique, alors qu'il n'a pas du tout de formation. Il était violoniste de formation, donc vous voyez, il a tout laissé tomber pour passer à l'art pictural. Oui, pictural. C'est vrai. Et ouais, il s'inspire beaucoup de techniques qu'il voit dans la peinture classique, et puis il la met à sa sauce. Voilà. Donc il faudra découvrir. De toute façon, il faut venir faire son propre avis devant le mur, c'est beaucoup mieux. Donc à partir du 28. Voilà, et c'est le mur d'hiver qui dure jusqu'au mois de mars. Donc c'est celui qui dure le plus longtemps, hein, celui exactement, d'hiver. Exactement, ouais. C'est ça. Dans l'année, on aura le temps d'en profiter toute l'année, c'est ça, tout l'hiver. On a le temps d'en profiter tout l'hiver, d'accord. Julien, en parlant d'hiver et de fêtes de fin d'année, je crois que vous cherchez des artistes, des créateurs pour un événement, expliquez-nous. Oui, alors la galerie se transforme en boutique de créateurs pour tout le mois de décembre, avec un accès à des objets peut-être plus petits que des grands tableaux, pour pouvoir faire des cadeaux qui ont du sens à mettre sous le sapin. Et effectivement, on ouvre, chaque année, on fait un appel à candidature. Donc là, c'est le moment. Vous allez sur le site de lacourdesarts.eu, et puis il y a un email, et puis vous écrivez, vous envoyez vos créations. Est-ce qu'il faut qu'on soit vosgien pour participer à ça? Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. Non. Donc vous acceptez tout le monde. Non, non. Faut créer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. D'accord. Donc c'est plutôt à force d'enfoncer le clou, mais voilà. On va peut-être comprendre. Je me répète, mais... on aura peut-être compris, finalement. D'accord. Donc la prochaine expo, on en a parlé. Et puis, donc, cet événement... Et donc, tout décembre, boutique, plus de jours d'ouverture, parce que c'est vrai qu'on n'ouvre que le vendredi et le samedi, d'habitude. Donc là, ça, on va essayer d'ouvrir toute la semaine, et en tout cas, surtout les dernières semaines. À l'approche des fêtes. À l'approche des fêtes. D'accord. Lydia, après Romain Froquet, qui va s'installer à la plomberie? Alors, la programmation de la Lune en parachute débute toujours par une exposition des troisième année de l'ESAL, de l'école d'Épinal. Donc, on les accompagne sur un projet. Ils conçoivent l'exposition du début à la fin, donc ça les met en situation. Et puis ensuite, la deuxième exposition sera montée en collaboration avec les FRAC Grand Est. Donc, on est en train de travailler... La conception. On n'en saura pas plus. On aime bien vous laisser un peu de mystère. Un peu de suspense, d'accord. Bon, bah, écoutez, plein de choses à découvrir. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur notre plateau aujourd'hui. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour découvrir de nouveaux invités. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.